Bonjour, Gandan et Gandan, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la petite revue de Banshee, que vont-ils ce mardi. Donc tout ce que vous allez voir au niveau des armes sera valable du 10 mai jusqu'au 12 mai, pardon. Ce que vous allez voir au niveau des modes sera valable uniquement du 10 mai jusqu'au 11 mai 19h. Et tout ce que vous allez voir au niveau des équipements, je vous en ai proposé quelques-uns, sera valable par contre toute la semaine, donc c'est-à-dire du 10 mai jusqu'au 17 mai. Allez, sans plus attendre, on va se rendre à la tour. Et le temps d'arriver sur place, on voit ce que Banshee nous vend debout ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la tour. On va bien sûr se diriger vers Banshee 44. Il se trouve un petit peu plus sur notre droite. Et donc au niveau des armes, ils nous vendent donc l'écarlate, hein, qui est un très bon fusil automatique. Par contre, on a peut-être avec des perks assez moyennes, plutôt même très moyennes, je dirais. Éventuellement, on utilisera plutôt pour les personnes qui sont sur console rainurage forgé. Éventuellement, les personnes console garderont munitions stables pour la stabilité. Je pense que des personnes PC prendront plutôt le chargeur rapide avec alésage intégral, d'autant plus qu'on a une pièce maîtresse de maniement. Mais vous pouvez avoir beaucoup mieux sur ce fusil automatique, je vous le conseille pas du tout. Au niveau du syncope, hein, le fusil impulsion de cette saison, on aurait pu avoir un très bon syncope pour du PVP, donc avec chasseur de tête. Par contre, c'est vrai que quoique ravitailleur compulsif peut être pas trop mal, mais on pourrait avoir une autre perque qui serait bien meilleure à ce niveau-là. Pour le reste, honnêtement, alésage intégral était très bien pour les personnes sur PC, rainurage forgé pour les personnes sur console. Vous aviez une balle à ricochet qui permettait d'augmenter la portée et la stabilité avec une pièce maîtresse de portée. Éventuellement, vous pouvez le tester, hein, c'est pas le gros rôle, loin s'en faut, mais pour du PVP, ça peut être utilisable. Au niveau de vision, le pistolet donc, de la Cité des Rêves, on a une vision qui est plutôt très très moyen, d'autant plus qu'au niveau de la portée, ça va pas être ça du tout, hein, je vous le conseille pas non plus. Au niveau de la toile entonnoir, très bon pistolet mitrailleur de cette saison. On a une toile entonnoir qui est plutôt moyenne, hein, dans la mesure où effectivement on a bien fureur concentré qui peut servir, mais on n'a que 38 balles dans le chargeur, donc vous n'allez pas réellement pouvoir en bénéficier à ce juste titre et optimalement. Donc c'est pareil, je ne vous le conseille pas vraiment. Par contre, à surveiller pour le changement qui devrait avoir lieu jeudi, on aura peut-être de très bonnes surprises. Au niveau du typhon lance-grenade, bah pareil, hein, ici, donc on a de toute façon pas une des perques qu'il faudrait, donc je vous le conseille pas. Par contre, je vous laisse la lame d'éternité donc pour l'arcaniste, qui est de nouveau un très bon combo avec frappe cadencée et lame assassin. Je vous présenterai pas l'épée spécifique au titan et celle du chasseur, car les perques qui sont proposées dessus sont vraiment pas bonnes. Et au niveau des modes, on a donc le mode cross de contrepoids, vous avez la poignée de main libre, vous avez le chargeur de secours qui vous permet d'avoir plus de munitions au niveau de vos armes, et enfin vous avez poignée de sprint. Voilà, donc ça va être tout pour la petite revue de Banshee. On va bien sûr aller voir les modes que nous propose Adawan pour aujourd'hui. Donc pareil, hein, je laisse le chemin pour les personnes qui débuteraient sur le jeu et qui ne sauraient pas exactement où se trouve Adawan au niveau de la tour. Donc on descend le petit escalier ici. On va finir par ces quelques marches. Et on va prendre sur la droite. Et donc au niveau des modes, on a donc le ravitailleur de fusion linéaire qui peut toujours servir. Vous avez le visé imperturbable pour pistolet, pardon, pourquoi pas. Vous avez surtout le très bon mode surcharge efficace que je vous conseille particulièrement pour les fusils à pompe et les fusions.
Et vous avez fait enfin l'étui de lance-grenade, qui pour moi est un petit peu moins important, mais prenez-le toujours, ça pourra toujours servir, mais surtout ne loupez pas la surcharge efficace. Et je vais vous proposer d'ailleurs deux petits équipements qui sont vendus par Adawan, donc pour le titan et le chasseur, ce qu'on va voir tout de suite. Et donc pour le titan chez Adawan, hein, je vous conseillerais ces bottes, donc avec 65 global, mais on a donc 16 de mobilité, 16 de résistance et 16 de force. Donc la résistance, n'oubliez pas, c'est pour votre barricade. Et la force pour la mêlée avec 13 intelligence, c'est plutôt pas trop mal hein, pour la pièce qui est proposée. De toute façon, c'est la meilleure pièce qui est proposée pour le titan cette semaine. Et on va bien sûr finir par une petite pièce proposée pour le chasseur. Et donc pour le chasseur chez Adawan, hein, je vous conseillerais ou je vous proposerais plutôt cette pièce, donc ses bras. Alors certes, ça peut paraître un peu bas au niveau de la globalité puisqu'on est qu'à 57, mais vous avez quand même 24 de force, 14 de mobilité et 13 de résistance. Pour les chasseurs qui débuteraient, c'est une pièce qui est pas trop mal, bon certainement moins exceptionnelle que les bottes du titan pardon, qu'on a vu précédemment. Voilà, ça va être tout pour cette petite revue, hein. On va en rester là. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. Et sur ce, gardiens et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de votre spectre.